princesse Natia Bré vous déclame. Une émission littéraire, culturelle et musicale et plein d'autres surprises à découvrir. Oh là là, vous êtes tous les deux vendredis du mois. Vous êtes gâtés, chers téléspectateurs. Voilà. Vous avez une belle dame, une belle présentatrice au nom de Nati Ébrié. Voilà. Nati Ébrié qui a déjà fait beaucoup de télé à Brazzaville, un peu partout, avant d'atterrir sur Haïti Média Télé. Voilà. Donc, c'est une femme une femme culturelle, une femme qui fait la poésie, qui est directrice d'association. Une femme qui présidente fait fondatrice. Tout. Une association, productrice, conteuse, voilà. Bon là, j'ai même j'ai gardé un compte pour les téléspectateurs. Comme vous savez qu'on a dit qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que la musique. Voilà. Il y aura le théâtre, la comédie, les clowns. Le déguisement. Les déguisements. Donc je demanderai à tous les artistes poètes et autres, ils peuvent nous appeler en direct pour parler de la poésie. Hein. Oui. Ils sont libres, c'est notre émission, mais c'est aussi votre émission. Ça veut dire, on est ouvert à tous les artistes. Et puis leur dis tes dates d'émission, comme voilà, ça. Voilà, donc, le 23, le vendredi 23, à la même heure, 18h à 20h, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent déclamer leurs poèmes, ils peuvent nous parler des théâtres et tout. Et puis téléphoner au 01 48 95 03. 15. Voilà. Donc c'est une émission des surprises, hein. Ça c'est rien ça. Ils verront encore beaucoup de choses, beaucoup des artistes à découvrir et tout. Donc on remercie Soumeya qui nous vient du Maroc. Donc vraiment c'est bien. Bon, qui est juste de passage à Paris pour cette émission. Qui est juste de passage, elle est avec deux semaines. Et je salue, je remercie aussi Fatih. Ah, hein, voilà, oui. C'est grâce à Fatih, voilà qu'on a. Voilà. Qu'on a reçu Soumeya, et d'ici là on recevra même Fatih ici et en direct à la télé. Voilà, vous êtes voilà, gâtés, donc on a beaucoup de surprises, restez connectés, vous allez voir plein de surprises. Bon, je vais raconter un conte. Oui. Hein, un conte aux téléspectateurs. Mmh. Avant de commencer un conte, je vais déclamer, je parlerai de deux fous. Tout le monde connaît des fous, hein. Oui. Il y a deux fous qui se disputaient. Oui. Et la discussion était tellement longue, le directeur a dit, il a vu par la fenêtre qu'il y avait deux fous qui se disputaient. Il dit, mais pourquoi vous vous disputez? Il était obligé de venir auprès des deux fous en leur demandant, pourquoi vous êtes en train de vous disputer? Les deux fous ont dit, non mais monsieur le directeur, vous savez, celui-là il dit que je suis fou, alors que je suis guéri. L'autre il dit que je suis guéri. Donc monsieur le directeur, moi je vois que je suis guéri. L'autre il dit non, il n'est pas guéri, il est encore fou. Bon, le monsieur le directeur a dit, bon, je vais vous tester. Alors venez dans mon bureau, je veux voir vraiment qui est fou et qui est guéri. Et alors il appelle le premier, il lui dit, bon, tu es sûr que vraiment tu es guéri? Il dit, oui monsieur le directeur, je suis guéri. Bon, dites-moi, si on te donne une banane, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, si on me donne une banane, j'enlève la peau, je mange. Ah d'accord, toi ça va. Bon, il faudra, appelle-moi ton collègue, je vais lui dire... ton copain. Ton copain, je vais lui demander s'il est vraiment guéri, parce que vraiment votre discussion, je ne comprends pas. Et son copain lui demande, mais qu'est-ce que le directeur t'a dit? Il a dit, oh, si on te donne une banane, c'est des petites questions. Tu dis, j'enlève la peau, je mange. Alors, il a retenu, j'enlève la peau, je mange. Et dès qu'il arrive devant le docteur, le docteur lui dit, bon, tu es guéri? Il dit, oui, je suis guéri, posez-moi vite la question. Hein, ne perdez pas le temps. Oui. Bon, alors, si on te donne une femme, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, si on me donne une femme, j'enlève la peau, je mange. Ah non, donc tu es encore fou. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Il dit, non, monsieur le directeur, vous êtes contre moi. Bon, je vais vous donner une dernière chance. Cette fois-ci, on va aller à l'extérieur. Oui. Et je vais vous poser encore une dernière question. Alors, toi, je commence par toi qui m'a répondu le premier. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est le président qui voyage. Il voyage. C'est une histoire, ça c'est vrai. Hein. C'est passé dans mon pays. Hein. Oui. Aujourd'hui, le président, il voyage. Bon, regardez l'avion. C'est sûr, c'est l'avion du président. Le premier qui dit, oui, c'est vrai, c'est l'avion du président. Le deuxième qui dit, non. Ce n'est pas l'avion du président. S'il y avait c'était l'avion du président de voir les motaristes. Il dit, oh, mais non, mais comment on peut voir les motaristes? Il dit, oui. Hier, quand j'ai vu le président passer, il y avait la voiture, il y avait des motos à côté. Mais en haut, je devais avoir des motos. Donc, ce n'est pas le président qui est là. Oui. Bon, ça, c'était une blague qui était... Oui, non, mais c'est super comme blague. On t'applaudit très fort. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, moi, si je connaissais deux fous, deux fous qui étaient dans un arbre à côté de ma maison. Oui.
Alors, les deux foulards dormaient dans l'arbre. Mais qu'est-ce que vous foutez dans l'arbre là? Oh non, mais nous on est bien ici. Un jour, j'entends un gros bruit là. Il y a l'un des deux foulards qui tombe, oui, comme ça là. Il y a l'autre qui est là-haut et dit, hé, copain, qu'est-ce que tu fais par terre? Non, je suis tombé, pourquoi tu es tombé? Oh, je suis mûr. Comme je suis mûr, comme un fruit. Oui. C'est pour ça que je suis tombé. Comme toi, tu n'es pas mûr, reste là-bas. Tu vois? Ce qui veut dire que quand on est mûr, on tombe. Voilà. Ah, ben non, mais il se croyait qu'il était une mangue. Oui, comme un fruit. Oh, là, il croyait qu'il était une mangue. Puisque les mangues mûres, là, tombent voilà, tout seul. Voilà, donc il est tombé, il est mûr. Ah, il dit qu'il est mûr. Donc, son copain, là, il n'est pas mûr, il n'a qu'à rester dans l'arbre. Oh, là. Voilà. Donc, comme on l'a dit, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui. Il y aura même des contes, des... Comme, bon, j'ai aussi gardé un conte aujourd'hui. Hein. Oui. Donc, après, vous allez m'aider à chanter. Ah, d'accord. Alors, dans un village, il y avait un monsieur qui était, ça veut dire, il était nain. Oui. Il s'appelait Ndumbila. Ndumbila. Hein? Ndumbila. Voilà, quand je vais chanter Ndumbila, et vous allez dire, oh, il y a Ndumbila, Ndumbila. D'accord. Oh, il y a... Okay. Il s'appelait Ndumbila. Okay. Il avait seulement un seul œil. Un seul œil tout rouge. Un cyclope. Mais oui, mais c'est pas un cyclope parce qu'il avait deux bras quand même. Hein. Il avait deux bras et puis deux pieds. Mais il avait seulement un seul œil. Oh. Mais voilà, donc c'était quelqu'un, c'était une... c'est une personne, hein, parce qu'il vit. Donc lui, dans ce village, tout le monde le repoussait. On disait que comment il est né comme ça. Oui. Ah, il est né comme ça avec un seul œil. Il a une maman et un papa. Donc, c'est, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. Donc, lui, il aidait vraiment beaucoup de gens. Donc, dans un autre village, il y avait un roi qui cherchait à ce qu'on puisse marier sa fille. Mais comme il était tellement jaloux de ses filles, il ne voulait pas que ses filles puissent se marier. Il a dit, bon, moi, pour que quelqu'un puisse marier ma fille, il faudra qu'il puisse couper 10 arbres. En 3 minutes. Dix arbres en 3 minutes, ça veut dire, lui, c'est une impossibilité. On ne peut pas couper 10 arbres en 3 minutes. Alors, Zungila, lui, il s'est porté volontaire. Mais il avait une langue comme un serpent. Ça veut dire quand il sort sa langue, c'est long. Comme un serpent. Oui, mais c'est tranchant, hein, et c'est violet. Et donc, lui, il s'est porté, il a posé sa candidature. Et le roi a dit, mais c'est qui ça? Toi, tu penses que tu peux faire quelque chose? Mais regarde comment tu te regardes pas. Il a dit, monsieur le roi, avec tout le respect que je vous dois, je suis venu aussi, parce que je veux aussi de votre fille, j'ai besoin d'une femme. Le roi qui dit, bon, attendez, bon, je peux rien. Parce que le roi a dit, la personne qui va réussir à couper les 10 arbres, il va marier ma fille. Et si il ne coupe pas, je ne tiens pas ma promesse, tuez-moi, brûlez-moi devant tout le monde. Oh. Donc, il y avait beaucoup de prétendants qui venaient de partout, partout. Et quand Zungila est venu, alors lui, le nez là, qui a un seul œil tout rouge. Là. Oui. Bon, si les enfants, vous regardez ça, vraiment, c'est un conte, hein, n'aie pas peur. Donc, non, ne mettez pas ça en matériel. Voilà, parce que peut-être que les enfants peuvent avoir peut-être aussi faut peur. Pas matérialiser c'est ça. C'est en disant qu'un seul œil. Et alors, Zungila, qu'est-ce qu'il va faire avec sa langue? Directement, en un seul coup. Il a coupé l'arbre. Sa langue, c'est comme un épée à tranchant. Il a sorti sa langue. Il a coupé tous les 10 arbres. Ah. Et après. C'est comme j'ai un copain, un grand menteur. Il a la langue qui coupe tout. Hein. Bon, et voilà. Et après, quand il a coupé, il est venu. Bon, monsieur le roi, vraiment, j'ai coupé les 10 arbres. Oui. Il faudra que je marie votre. Votre fille. Oh là là, le roi était déçu. Le roi est rentré dans sa chambre, il a pleuré. Ah, il a pris le risque. Vous. Il a pleuré, mon Dieu, j'ai fait ça et pourtant pour que personne ne puisse marier ma fille. Ah, mais, voilà. Mais c'est qui ça? Mais si je ne respecte pas ce que j'ai eu à dire, c'est moi qu'on va brûler vif devant tout le monde. Ah bah. Je suis obligée de laisser ma princesse partir. Voilà. Et après, c'est là où les gens commençaient à... Il a pris le risque, il a pleuré, la reine a dit, tu as vu? À trop de vouloir trop gagner, on finit par perdre. Zungila qui dit, monsieur le roi, donnez-moi ma femme, je vais partir avec. Voilà. Il n'y a pas à disputer. Et les et la femme est grande, le nez est à ses genoux. Et les gens du village, on va te brûler vivant si tu ne respectes pas ce que tu dis, on va te brûler vivant. Bon, le roi est obligé de... Il a pleuré. Il n'a jamais fait de promesses au nez. il a vraiment... Non, le roi était déçu. Il était vraiment déçu. Non, non, même les prétendants qui étaient venus, voilà, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Alors, Zungila
a gagné la princesse. Et il fallait qu'il parte avec la princesse. Ah oui, obligé. La princesse qui dit, papa, tu as vu, ton orgueil. Ouais, voilà. Dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Moi, j'ai toujours dit chez les gens, il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. Il faut se rabaisser. Ça veut dire, on ne sait pas, souvent on dit, le ciel t'élèvera. Regarde, il était orgueilleux. Il voulait autre chose. Et voilà que c'est Sungila, l'homme qui n'a que deux bras. Il est tout né, un mètre, même il faisait que un mètre. Et oui, c'est lui qui vient prendre. Oui, parce que le papa, il croit que personne ne. Mais oui, c'était une façon de préserver. Il ne voulait pas que ses filles. Et le monsieur, il est parti. Et les gens qui disent Sungila, Sungila, tu as vu la princesse, Eya. Tu as marié la princesse, Eya. Tu es tout né, Eya. Tu as qu'un seul œil, Eya. Tu es tout petit, Eya. Tu as gagné, Eya. Et Sungila qui dit. Et quand il continue à chanter Sungila, et il dansait, ses petits pieds là. Hein? Voilà, il est content, il a gagné. Il est très content. Et Sungila a mené. Il a gagné une femme qui fait 4 fois sa taille. Oh là 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 là. Une princesse en plus. Ah! Et il a ramené la princesse au village. Ouh là 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 là. Tout le village. Non, c'est pas possible. Puisqu'on n'a jamais vu Sungila avec une femme. C'est pas possible. Les gens disent, mais comment il a fait? Les gens l'ont envié. Les gens disent, non, c'est pas possible. Il faut qu'on tue Sungila. Yeah. Il y avait des hommes de là-bas. Ils disent, non, il faut qu'on tue Sungila pour prendre cette fille-là. Ah. Mais comment il a fait? Mais où est-ce qu'il a eu cette femme? Oh. Mais c'est pas possible. Mais c'est sa langue. Mais il est tout né, le plus moche. Oh. Il est vraiment seul. Alors, Sungila a amené la femme dans la cabane, parce qu'il n'avait pas de maison. Oui. Et encore, Sungila, c'était comme un génie. Hein? Hein? Ah oui, il a des pouvoirs aussi. Il a des pouvoirs. Ah. Et la nuit, il a dit à la princesse, aujourd'hui, tu dors dans la cabane, et demain, on va voir. Et la princesse a dormi dans la cabane. Le matin, il se réveille comme ça. C'était un grand château. C'était une cabane, mais c'était devenu un grand château. En or. Oh putain. Mais oui. Et même les gens du village se disaient, mais comment? Donc les gens commençaient à se poser des questions. Hein? C'était un grand château. Et la femme a dit, bon écoutez, Sungila, quand vous êtes mon mari, mais vraiment j'aimerais que vous puissiez quand même avoir aussi, je veux avoir des gens qui me ressemblent, qui vont habiter dans le château, parce que je suis votre femme. Sungila a dit, il n'y a pas de problème, qui tu veux? Et la femme était obligée, on était obligé d'aller chercher des gens, dans le village d'à côté, pour venir habiter des domestiques. Voilà, des domestiques. Donc la princesse là, elle était vraiment, elle n'a pas regretté. Hein. Elle n'a pas regretté. Elle était bien. Elle avait des, comment on appelle ça, des servantes. Elle était vraiment aisée et tout. Et c'est le papa qui après avoir d'abord, dès qu'on a amené sa fille, il est resté. En pleurant. Oui. Il est juste parce qu'il n'a même pas fait 2 jours, il est mort. Il est mort de soucis, le papa. Mais oui, le roi est mort de soucis. Parce qu'il est mort de soucis parce qu'il a donné ce qu'il avait en lui. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à quoi. Il ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Mais la princesse. Il n'avait pas un bon cœur. Voilà. Il a fait une promesse que c'est pour ridiculiser les gens, mais finalement, c'est lui qui a ridiculisé. Voilà. Et un jour, Sungila a dit, bon, écoute, je sais que tu es un peu soucieuse. Moi, je vais te montrer mon secret. Hein, demain matin, on va aller au bord du marigot. Hein, tu vas me taper le bâton 3 fois sur la tête. Oui. Et tu dis, Sungila, réveille-toi. Sungila, réveille-toi, Sungila. 3 fois le bâton sur la tête. Et le matin, à 4 heures du matin, ils sont partis, la femme a tapé 3 fois le bâton sur la tête. Et Sungila, c'était un bel homme. Oh là 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 là. Ah bon? Il s'est métamorphosé. Ça veut dire que c'était une malédiction. Ça veut dire qu'il est né comme ça, c'était une punition. Ah. Et sa punition pour retrouver sa forme, c'était écrit qu'il puisse se marier avec une princesse. Lui, il savait toute l'histoire. Et c'est là où il fallait que la princesse puisse lui donner, le taper 3 bâtons sur la tête. Et Sungila était... Il mesurait 1m86, un bel homme. Oh. On ne reconnaît plus Sungila. Parce que quand on a tapé 3 bâtons sur la tête, on a entendu une tonnerre. Bah oh là. Hein? Il y a eu la pluie. Et puis vraiment, il y a eu même des roses, des fleurs qui ont poussé. Hein? Donc, c'était vraiment... Et la femme dit, mais comment ça se fait que tu es devenu? Il dit, écoutez, depuis le ventre de mes parents, c'était un sort qu'on avait jeté parce que mes arrière-arrière-parents ont fait du mal aux gens. Donc ma punition, c'était que je devais être née je sois comme ça. Mais il faudrait que je puisse me marier avec une princesse pour retrouver ma forme. La forme vraiment naturelle. Voilà, et Sungila a retrouvé ça.
Dès qu'on a tapé trois bâtons, bah, on entend seulement les tonnerres. Et il se réveille comme ça, il était beau. Oh là 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 là. Beau, beau, un bel homme et tout, vraiment. Il a pris la princesse et puis ils sont repartis au château. Et on voit la princesse avec un autre. On me dit, mais oui, il est où Sungila? Mais c'est lui. Mais Sungila qui dit, il est là. Il dit, mais non, attendez, il est où Sungila? C'est moi. Personne n'arrive à croire. Et voilà qu'ils vivent heureux dans le château. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Et voilà l'histoire de Sungila. Et Sungila est devenu Sungila là. Il a grandi. Voilà, donc j'espère que ce conte, ça vous a plu un peu. Oui, chers téléspectateurs. Voilà, c'est vraiment le début. Nati, Nati, elle sait comment vous faire rire dans vos salons, en famille. Suivez Nati chaque deux semaines sur Haïti Média Télé. Voilà. Dans son émission, Nati. La poétesse Nati Ébrouillé. Merci. Vous déclare. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.